Francisco Panache, tennisman en sensios, petit Lacoste sur le corps il danse. Voilà, on cache le décor. Le public s'est levé. Dans ses yeux qu'il a des secrets dévoilés. Toujours pas sur Spotify. Les gars, j'ai eu le temps de faire quoi moi? Rien. Rien le temps de faire. À part de la musique bien sûr. Ok. Waouh. Messieurs, dames, on va tester peut-être une petite... Ça va la manette va bien. Un dévoilé. Chut, allez, on se calme. Bon, on va essayer le mode. On va prendre le chapeau. Hein. Et l'IA va jouer avec, bien évidemment, niveau 28, niveau 26, niveau 27. Il y a un niveau de merde ou pas hein? Oh, est-ce que l'IA peut jouer avec mon perso? Oh, mais c'est nul ça! L'IA peut pas jouer avec mon perso! 30, 30, 30, 30, ouais, il y a du beau monde. 30, 30, 30, 27. Ah, 25, Radoukanou. 30, 26. C'est un stream 25 Andy Murray. C'est bien ça, aucun respect pour Andy Murray. C'est une bonne idée ça, 26. Il y a du 25. Hein. 25, Caroline Wozniacki. Allez, Caro. Et on la met en expert. On la met en expert. On la met en expert. Vous voulez aller où? Putain, mais on n'a pas tout débloqué. Hein. Comment on débloque en fait? Comment on peut débloquer, genre là, attends, il y a Vienne et tout. Mec, ils ont tous les cours du monde. Genre, on peut aller à Montpellier, si vous voulez. Je sais qu'ils ont Montpellier. US Open, tac, Miami. C'est où, là, Montpellier? Auckland. On confond souvent. Mec, ça va, la vie, là? La connexion est bonne? Amsterdam. Complexe d'entraînement. Omis. C'est où, Montpellier, là? Cherry on the cake. Palm trees. Tu débloques les salles en gagnant. Tu sais pas faire encore. On est sur une petite S de Teddy, de la part de Teddy. C'est moche, hein. C'est moche et c'est... Ah, c'est la stade de Montpellier. Pourquoi je peux pas... Pourquoi il est débloqué, sa mère? Pas débloqué, putain. Bah écoutez, on va aller à Amsterdam. Hein. On va aller au centre d'entraînement en scred. Ça, en vrai, le terrain est joli. Oh, on va jouer avec un... Mais mec, ça rend faux! Vos menus à la con, là! Putain! C'est pas reconnaître une manette! J'ai pété un boulard! Merci bien. Attends, il y a eu des subs. El Chupito, merci, je l'ai dit, merci beaucoup. Et Brap, merci pour les 100... pour les 134e mois. Non, pas du tout, c'est dans ton pseudo. Merci pour le 11e mois avec ton prime. J'ai acheté ton spin et honnêtement, je sais pas comment tu fais pour jouer en très difficile car j'ai aucun timing. Bah là, je joue en expert. Voilà, tout simplement, j'ai juste joué en expert. Tu débloques en faisant la carrière. Ah, je suis en plein dans la carrière, je suis dedans, tranquille. Et pourtant, j'ai déjà joué à Montpellier. C'est à force de poser des rails, ça. Mec, je te jure, ça... Si ma manette commence à bugger, faut que je m'achète une manette avant de... Ok, on est à Chengdu. Alors, on joue en expert. By the way, tu es toujours en GeoGuessr sur ton stream. By the way, fais F5. By the way, fais F5 et tu reviens. Michetou, on dit quoi alors? On part une minute en pause. Michetou, non, on attend de voir ce que dit Michetou. Changer de manette peut-il coûter le top 10? Michetou, peut-être. Qui a déjà joué en expert là, dans le jeu? Ah, plus d'infos sur Michetou, bizarrement. Plus d'infos, hein. Dommage. J'ai fait F5 et toujours je gassais aussi. Et c'est impossible les gars, j'ai changé deux fois quoi. Idem. Mais les gars, c'est un truc de ouf. On change le truc. Moi sur mon truc, c'est changé. Hein. Les gars. C'est top spin ici. Hein. On est où là? Putain mais c'est honteux. Ça va là? On se met à jour, enculé? Je peux pas banner les gens si on se met pas à jour. Putain. Non, c'est bon. Ah! Putain. Putain. Ça a fait mes 68. Hein. Et le raid de Martin M2X, bien évidemment. Un maximum de bruit pour le DJ de Twitch. À la queue de cheval. Comment ça va, les Martin Zouz, là?
Ça a passé une belle matinée? Ça a envoyé du sang? Ah! Us. Bon, le mode expert est un peu dur. Là, on joue dans un mode qui est pas le plus gros. Ah ouais, merde. Ah, faut que je sois concentré. Bienvenue. Salut Brigitte. Salut Papy Didou. Ah, ça s'est bien passé avec, avec le chevelu. Ah, globalement, ça se passe souvent bien. T'as part de là. Martin, M2X. Si jamais vous réveillez aux alentours de 7h, vous avez envie d'avoir de la bonne musique, une bonne ambiance, quelqu'un de détendu, bon, de temps en temps, il parle d'oseille, hein, bien évidemment, parce que hein, on sait qu'il est passionné par ça. Il est aussi comptable. C'est bien sûr le seul DJ comptable. Mais il vous fait votre compta, hein, par contre. Il vous fait votre compta. Et il va mixer, il a déjà mixé à la TwitchCon, il va remixer à la TwitchCon. C'est vraiment le DJ de Twitch. Oh là 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 là, on est dessus. Plus comptable que DJ. Ouais, bah ça rapporte plus, mais... Je confirme tout ce que vient de dire le poney. Hop là. Ah, c'est de la merde. On est là. Eh là, ça va être compliqué, là. Ah, ça va être compliqué. J'ai merdé. Il soulève des brouettes et de la fonte aussi. C'est vrai qu'il fait également du crossfit. À tout moment, il monte ses tétés. Et ma foi, c'est pas dégueulasse. Ah, le contre-pied complètement raté, c'est terrible. Allez, par contre, là. Et on est en mode expert, messieurs, dames. Allez, on joue là-bas. Après, on joue avec la délicieuse. Maria Sharapova. Molotova. Mojinova. Ah, trop tard, putain, je suis un con. Ah, si je le lâche bien. Allez, ça dégage. Là, on consomme bien son endu. Un jour, je chopperai le Pony Club. Un jour. À quel stade? Dans quel sens? Ne réponds pas. Tu n'es pas obligé. Allez. Allez! Et ça fait un zéro pour Sharapova. Game, Sharapova. Allez. Alors, bien évidemment, on a pris la joueuse la plus forte face à la joueuse qui a le moins de niveau. Ça fait pas de nous des salopes. Hein. Ça fait de nous des joueurs qui train, qui régulent. Aussi long que là-bas. Que, quoi? Oh, tu sais pas si. C'est pas si fou, je vais te dire. Eh, comme on dit, ça fait le boulot. Je vais te dire. Oh, eh. Ça fait le boulot. Non, on n'a pas fait un métier non plus, tu vois ce que je veux dire. On est pas comme le dude. Allez. Voilà, belle longueur. Je crois que tout le monde a envie de le choper. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Il me l'a mis dans la tête, genre. Hop là, des petits coups comme ça. Hop là, on joue à droite, on joue à gauche. Elle met une gifle, je mets une gifle. Ah putain, j'arrive plus à gifler là. Voilà, là c'est pas mal, parfait. Allez, c'est parfait. C'est pas parfait, mais... Contre-pied, counter foot. J'ai pas compris la balle perdue. J'ai pas perdu. Non, mais juste le 12, toi t'es... T'es un reproducteur, quoi, c'est juste ça. Allez, la gifle. On sauve deux balles de break en expert. C'est ça votre niveau expert? Ma merde. On est attrapé le tous. Y'a pas de mental. Ça c'est. Attends, mais je suis bien en mode expert là. Enfin, je veux dire. Hein. On n'a pas les infos. J'étais bien en mode expert, non? Ah, parce que je me pose des questions. Enfin, je me pose des questions. Pas d'arrogance, hein, mais. Pas d'arrogance! Juste, je me pose des questions. Est-ce qu'on va devoir jouer en légendaire? Après, je fais le mariole, là, tu vois, il y a 2-0. Quand il y aura 4-3 pour un. Pour Wozniewski.
Enfin, c'est pas demain la veille. Joue Serena en expert. Avant d'être arrogant, me ferme là, Serena, pas Serena, c'est pareil, oh, c'est pareil, oh, ouais, c'est la même mayonnaise, hein. Serena qui me dit, pff. Elle y connaît quoi en tennis? Serena Williams. Réponse, rien. Petite référence encore une fois, souvent les mêmes. Qu'est-ce qu'elle y connaît en tennis, Serena? Ah, dommage. Ah, dommage. Coluche? Non, pas Coluche. Pas Coluche, les gars. Alors, oh! Putain, on était bien. Attention, attention, Timber. Batman, non? Sérieux, vraiment, vous avez pas? Qu'est-ce qu'il connaît en tennis? Serena Williams. Réponse? Rien. Vous l'avez pas? Les trois frères. Non? Alors c'est moi qui me trompe? C'était de la peur. Ah bah merci, Ryder fou! Petit ace pour terminer. Serge Karamazov. Merci, putain! Ah là, vous m'inquiétiez. J'étais en train de me dire, attends, J'ai confondu les trucs ou quoi, là? Le prince de Macédoine, je l'ai baisé. Mais madame, on dit là, hein, je l'ai pas baisé. Hop là. Oh, tout de suite! Évidemment qu'on l'a. On peut rigoler quand même. Ah, mais tu sais, genre, je vois pas le. Hop là! Bien de la merde. Hop là! Superbe. Hop là! Et le petit amorti là pour changer un petit peu la donne. Ah. Ouais, c'est le mode expert quand même. Genre, tu mets aucun parfait et tu peux pas être bien. T'as d'ailleurs, tu veux un whisky? Excellent. Oh là là, elle nous fait des cadeaux. Elle nous fait des cadeaux. Allez, un petit parfait là qui tombe bien. Ça fait 30 ans. Ah, dommage. Il est pas mal celui-là. Ouais. Ah, putain. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. On lui fait visiter le cours un peu. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire, ça fait 1-0 le break. Le break is good. Ah, le break is good. Oh yeah. Ah, le break is good. Ça fait 15-0. Activation non programmée de la porte des étoiles. Faute de quoi? Challenge. Hop là. Oui, ça sort. Elle craque totalement. Merci pour le gros cadeau. Merci beaucoup. Oh, j'aurais tellement dû faire un pari. Bon, ce de métal qui offre un sub à Totor. Merci Mours. M87, merci pour le 26e abonnement. Pour la gueule. Merci beaucoup. Sucez-vous. Oh ouais, doucement hein. Allez, le can to foot. Allez là, t'as pas voulu y aller, t'y vas pas, y'a pas de problème. Activation non programmée de la porte des étoiles. Quel film de fou quand même, Stargate, putain. Quel film de fou. Après, je dis pas, la série derrière, elle est sympa, tu vois, mais c'est vraiment le film au départ qui est exceptionnel. Le reste, bon, ah, c'est de la pisse. Ah, c'est de la pisse, dites pas ça, Greg, quand même. Non, mais c'est comme beaucoup de séries, t'sais, on a l'impression que c'est, on est très en avance sur son temps, alors qu'en fait, toutes les séries étaient très en avance sur leur temps, donc du coup, bah, est-ce que vraiment il y avait des... Ça va les conneries là? On est là! Oh là 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 là, The Wall! La série est un banger, j'expose tous ceux qui disent le contraire. Non, la série est bien, la série est bien. La série est bien, y'a pas de problème.
Oh, mais il n'y avait pas de marquage au sol, j'ai cru qu'elle était faute. Ok, elle se réveille. Elle se réveille à 0-3-0-2. Je sais pas si c'est vraiment le bon moment de se réveiller, madame. Tu vas fâcher Grey ou si tu dis que la série est nulle? Non, je dis pas que la série est nulle, c'est faux en plus. En vrai, c'est une très bonne série. Et bon, ça vaut pas. Sliders. Mais bref. J'aimerais qu'il soit sur le... dans le coin et qu'il m'insulte. Ah, c'est trop nul. Ah putain, mais tends ta raquette! Tends là ta raquette! Et attention. Attention, on peut être totalement désarçonné. Allez, la gifle là! Yeah! Putain, Sliders, c'est les mondes parallèles, mais mec, quel bonheur. Sliders, j'étais fan absolu, mec. Oh là 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 là. Dans le premier jeu de tennis, sur la PS5, tu pouvais demander 3 challenges par set. Attends, tu pouvais vraiment demander des challenges? Sur quel premier jeu de tennis? Parce que le Hawkeye et tout, ça a mis du temps à arriver quand même. Allez. Allez. Allez, on lui laisse rien. On a 2 points du match. 2 points du mode légendaire. Ouais, là par contre, on l'aura pas. On y est. Oh là 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 là, on va se le chercher. Balle de match. Putain, va-t-on débloquer en 3Z le mode légendaire? C'est honteux. Je craque un peu. On est dessus. On est encore dessus. Et on est toujours dessus, le cut-foot. Allez, s'il te plaît. Ouais. Incroyable, Francisco Panache. Ben, Sharapova. On le débloque, là. Attends, mais on était vraiment en mode... On le débloque? On le débloque pas. On le débloque pas. On l'a pas débloqué. Attends, pourquoi on l'a pas débloqué? On l'a pas débloqué. Merde! Pourquoi on l'a pas débloqué? Remporter un match en difficulté expert en mode tennis classique de 6 jeux par set et au meilleur des 3 sets. Ah! Eh ouais! Putain, on était bien parti quoi. Eh ouais! Tiens! Tiens! Et comment on peut débloquer. Remporter le championnat de Wimbledon dans ma carrière, le BNP, mes couilles. Comment on peut débloquer Monte Carlo? Y a des trucs. Comment on débloque Montpellier? Tennis Club de Nice. Remporter la Nice Bell Invitation. Ah ouais, en gros, faut gagner les trucs, quoi. D'accord, ok. Stavenage. D'accord. Merde, putain. Ah ouais, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ok, on va essayer, genre, on prend Sharapova. On va jouer, genre, Alcaraz. Ok, on joue Alcaraz. Ok, en expert. Ok. Paramètres du match. 6 jeux. 3 sets. Voilà. Et là, on va arrêter de... Hein? On va aller au stade d'Abijava. À New Delhi. Et ça va très bien se passer. Toujours un peu mieux de regarder les consignes avant. Surtout que personne ne me l'a dit dans le chat. Hein. Certains disent que sur Topspin, il n'y a rien comme contenu. Je ne comprends pas. Bah oui, il y a un... Tu peux avoir plus peut-être des... Ouais, je sais pas trop. Des mini-jeux, des trucs à... Ouais, il y a pas mal de trucs à débloquer, mais après, le truc à débloquer, c'est un peu basique, quoi. C'est dans le mode carrière, tu gagnes ça. C'est un peu basique. Est-ce que tu peux le faire juste à Roland-Garros, par exemple? Je crois pas. Après, il y a les gens qui râlent pour râler, hein.
Bon, là, ça va être une autre limonade. Elle est bonne. Bon, déjà, si les arbitres sont pas d'accord... Non, mais allez le faire enculer! Bien sûr qu'il est bon, mon service. À quoi ça se joue, une carrière? Bon, là, d'accord. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même et c'est pas non plus injouable, quoi. C'est juste, tu vois. Ah, c'est dommage. Non. Voilà. Le mode carrière un peu pauvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le mode carrière un peu pauvre. Il est sympa, mais pauvre. Voilà, c'est ça votre mode expert, là. Pipi de chat. Ça serait si Alcaraz c'était un genre de tennis, hein. Ah, c'est pas un genre de tennis. C'est pas un genre de tennis, ça. Ça, c'est un gameplay qui me plaît. C'est bon. Je me rappelle que le level max de Virtua Tennis 2, c'était tellement dur. Après... Non. Non, mais ça, c'est non, là. J'ai pas votre temps. Oh, merde. Ah merde, c'est un peu trop tard. Voilà, joueur de tennis, mes couilles, ouais. Allez, gifle-le, là. Gifle-le. Voilà. Ah putain, si je mettais un perfect. Voilà, au bout d'un moment, il aime bien courir, hein. C'est le problème d'Alcaraz. C'est qu'il aime bien courir, bah cours. Advantage, Sharapova. Moi, j'innove. Tu t'aimes, Poney, tu montes à la volée. Bah, ça m'arrive de temps en temps. Oh. Essaye de varier les plaisirs. Bon, là, on peut pas faire grand chose. On a fait un choix. J'aurais dû me recentrer un chouille. Allez. Là, on pourra pas dire. Là, on est en mode expert contre Carlos Alcaraz, niveau 30. On pourra pas me. Hein? Me titiller. Enfin, on pourra, hein, mais... Bah, allez-y, même. Excellent, bien sûr, on aime l'humour. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Ah ouais, c'est de la merde. Ah ouais, si tu l'as... Je te titille. Titille-moi, titille-moi. Ah, c'est... J'ai mal joué. Ah, ça implique quand même beaucoup de parfaits, cette histoire. Allez! Voilà! Goff 79, bienvenue. Ici, on joue en mode expert. Ouais, on se prend de branler. Avec une corde vocale. J'ai souvenir que Sharapova... Ah non, mais elle est... Après, si les mecs avaient vraiment fait premier degré Sharapova qui gueule, ça aurait été un peu relou, non? Bon, ok, il a le droit de mettre un jeu. Allez, s'il te plaît. Voilà. Putain, Sharapova, quelle joueuse. Ils ont vraiment fait de balèze, hein. Usk. Voilà, ma reine. Allez, counterfoot. Voilà, le contre-pied, il peut pas bouger. Quel jeu de service exceptionnel. Maria Sharapova. Ah, de la merde. Ah, putain, je pensais être revenu, mais pas trop, en fait. Allez, s'il te plaît, tu cours. Allez, ça fait 2, on est bien. Il est vraiment bien, ce jeu. Bah, ça dépend ce que tu aimes dans les jeux de tennis, quoi, tu vois. C'est, en gros, c'est difficile de juger. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le jeu. Je le trouve cool.
Allez, bien fort dans ses pieds. Maintenant, maintenant c'est... Il y a plein de critiques à émettre, bien évidemment. Bon, moi, je dis depuis le début, alors que c'était la hype de partout, que c'était un 13 sur 20. Ah, putain, je suis un con. Ah, c'est dur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre dans un jeu de tennis, tu vois, genre... Est-ce que tu vas y mettre des heures? Si tu mets des heures et tout, le jeu est cool, hein. En vrai, le jeu, il est fluide, il est beau. Quand les visages des persos est dégueulasse, mais le jeu, globalement, est beau, là. Tu vois, ce que tu vois, c'est joli. Maintenant, ça gueule parce que, en gros, le jeu a 2 ans de durée de vie. Parce qu'en gros, y a une histoire de serveur. En gros, tu joues... Oh là. Ah. Putain, la chatte qu'il a eu, putain. Parce qu'en gros, apparemment, tu peux que jouer... Enfin, même le mode carrière, tu joues en mode connecté. Et du coup, ça fait gueuler tout le monde, parce qu'en gros, bah, dès qu'ils vont fermer les serveurs, le jeu sera mort. Donc en gros, tu vois bien l'idée de acheter toutes les versions du jeu, le 2K25, le 2K26, le 2K27. Non, il leur dit, bah, ouais, les gars, c'est bien, mais... À un moment donné, à 70 balles l'année, tranquille, quoi. On aimerait bien garder nos jeux plus d'un an, quoi. Pour les serveurs, c'est une colère. Les WC aussi, ouais. Après, les WC sont pas trop relous dans celui-là. Enfin, je crois que c'est que du cosmétique, quoi. Si, tu pouvais progresser plus vite. Putain, j'ai manqué de patates. Ouais, y a 2-3 chichounes qui partent. Ben, une mise à jour, c'est pas rentable. Alors qu'un nouveau jeu 70, c'est mieux. Ouais, non, mais bien évidemment, mais... En fait, moi, y a un truc où je suis assez consignant, c'est que c'est le retour de la licence. Donc je me doute qu'ils ont pas dû mettre masse de moyens, que si la licence n'était pas là pendant 13 ans, c'est aussi parce que le tennis, bah, ça se vend pas de ouf. Ah putain, tu fais un mauvais service, t'es mort en fait. Ce qui est assez logique, hein, mais... Ah mais merde! Allez. Par contre, physiquement, il a l'air moins emprunté que moi quand même. Bonjour les GBZ, un vocabulaire ferroviaire hier soir pendant des barres de rire. Oh, c'était exceptionnel hier. C'est vrai que moi je me suis un peu énervé parce que bon, y a des moments, Arthur, tu te dis est-ce qu'il fait exprès, est-ce qu'il fait pas exprès, tu sais, y a des trucs, t'es en mode pff, mec, on souffre ensemble, s'il te plaît, sois dans mon équipe, quoi. 3-2, hein, on est pas mal, hein, c'est un joli match, hein. Voilà, on le met à la faute, on varie les plaisirs, on le met à hauteur d'épaule. Parce qu'en 2026, mais il se réserve le droit de fermer les serveurs avant. Ouais, disons que cette communication-là, elle est pas très jolie, quand même. Enfin, tu vois, c'est ça qui fait gueuler les mecs. C'est bon. Le prix du jeu, tu vois, a fait gueuler les mecs. Et quand après, tu te dis... en plus, le jeu, à tout moment, il a 1 an de durée de vie. En mode, les gars, enfin... S'il vous plaît, quoi. La souris au milieu me perturbe. Je la voyais plus, moi, donc t'as bien fait de me le dire. Fallait imparfait. Bien fait. Cathédré quand il a posé son rail hier. Mec, il m'a rendu fou, mec. Il m'a rendu fou. Je savais très bien qu'il allait le faire. Enfin, ça se voyait, tu vois. Je suis en mode, mais il va pas le faire quand même. On a pas 4 ans. Si. Tu sais, ça faisait longtemps. On était dans le dur. Tu sais, on prenait plus de plaisir à ce moment-là. Tu sais, on était... Après, à la fin, quand on a commencé à opti le train et tout, c'était marrant. Putain, j'aurais dû y croire. Ah, il va me baiser. Ouais, j'ai fait un choix. Mauvais. 3-3, c'est dur. Rappel, on joue en mode expert contre Carlos. En plus, l'arbitre de ligne, apparemment, il est pas content. Allez. Voilà. Arthur, c'est un showman, il le fait pour son public. Ouais.
Il le fasse pas à côté de moi à l'asile. Parce que moi je vais être un showman, mais je vais quand même lui rentrer dans la jeune. Vu le nombre de sports que fait Francisco. Ah oui, il est magnifique. Y a-t-il une sorte de projet de BD genre Les Martines avec Francisco? C'est pas con. Le problème c'est que je sais pas dessiner. À la limite, écrire un petit scénario peut-être, mais. Oh, y'a l'Oroji qui est dans le. Qui est dans le chat. Quel bel homme. À ton image, dans tes yeux. Francisco chez les nudistes. Francisco au Clito Palladium. Francisco à Montpellier. On est pas mal, on est concentré, mais faut qu'on mette une petite pression quand même sur son service. Comme là, par exemple, ça peut être maintenant. Bien sûr, vous connaissez toujours l'histoire du 7e ou 8e jeu. Les jeux qui comptent. Ceux d'avant, ils comptent pas. Celui-là, il compte. Allez, faut le mettre en difficulté. C'est de la merde. C'est de la merde, mais on est toujours en vie. Ah ouais, bah... Bien joué. Francisco à la Zilane. Francisco à la Jonquera. Francisco achète du shampoing. Oups, maman, c'est pas du shampoing. Oh, Big Daddy dans ce là. Francisco en prenait deux. Oh là là, il est monté. Et on le gifle. C'est maintenant 2 balles de break. 2 balles de break. 2 balles of break. Allez, s'il te plaît. Ah putain, j'ai pas réussi à... Ah putain, je suis dans la sauce. Ah, ça dégoûte, mon lob. J'aurais pas dû le lober, j'aurais dû juste le gifler, putain. S'il te plaît. Ah putain. C'est pas fini. J'insiste. J'insiste. Et je décroise. Non, 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 on vient enfin de le breaker là. Putain. Francisco joue à rugby 24. Un jour les gars, un jour on jouera à rugby 24, 25, 26. Ça, c'est que des chiffres, hein, vous savez. Pas obligé de se... Ah putain, je suis en souffrance. Il me balade bien. Ah, et je fais aucun parfait. Allez, un petit puissant. Bon, écoute, c'est un bon, mais ça suffira. 15 à, on est de retour. Un petit ace peut-être. Pas vraiment un ace, mais... Un bon service. Allez, à 2 points du premier set. Voilà. Sauf le droit de rêver. Continue avec tes amortis dans la gueule. Oula, c'était pas bon ça. Ah non. Eh oui. Et il est là, le premier set. Il est dans l'escarcelle de Maria Sharapova. Ah, là, faut être concentré là, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin. The moitié of the chemin. Sinon, Touquet pourrait sortir un jeu de rugby, bien sûr. Bien sûr. On aimerait, hein. Après, il y a tout à faire, quoi. Là, il m'a baisé. My tennis. Ah ouais, là, trop tôt. Ouais, on était restés. Voilà, on insiste. Ouais, voilà, on insiste. Il aime pas revenir sur son pied, là. Il a pas le temps de se préparer, Alcaraz. On dirait Thibaut Pinot en 2019. Putain, ouais, j'espère pas avec la même fin. Ah ouais, c'est con. Ah, j'en ai fait des trucs cons dans ma vie. Le long line aurait été une très très bonne idée. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que je jouais un être humain. Alors du coup, je jouais le contre-pied alors que c'est pas possible. C'est un stream sauvé.
Allez, cours, mon grand. Merci, Lugix, pour le Prime. Un an d'abonnement, merci infiniment. Le poireau pour toi. Fallen ! Si on peut lui mettre la pression d'entrée de jeu, il peut lâcher après mentalement. Hein. Je sais pas s'il y a tant une notion de mental que ça, mais... Il peut lâcher. Putain, moi, je suis... Ça va, moi. C'est bien, les bruits de bouche, j'aimais bien. Allez, c'est terminé, on attrape la ligne. Merci, Wheezy, 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 Wheezy. Le dépucelage de Wheezy. Il pose le prime ici pour la première fois. Mettez-lui du gel, dépucelage, première fois qu'il pose un sub, merci infiniment. C'est en 2-7 gagnant, ouais. 2-7 gagnant. 6 jeux, 2-7 gagnant, c'est bien, quoi. Ah, putain, de la merde. Compliqué, attention. Oh, c'est moi. C'est mon Wheezy. Merci de poser le prime ici. En même temps, c'est rare qu'on voit les niveaux experts. Des mecs qui jouent au niveau expert, c'est pas assez rare sur le dance floor, bien sûr, j'allais dire. Sur Twitch. Yo, Ponette, tu vas t'atteindre un peu du online ou ça te rebute? Mon perso est trop loin. Ah, mais je pourrais jouer avec genre Sharapova, par exemple. C'est vrai. Je pourrais faire ça, ouais. Y'a que des Sharapova en ligne, non? Ah, bien vu. Ah, la crainte. Ah, j'ai tout tenté. Si à un moment donné, ça met pas les points, j'y peux rien. 30A, dommage. Ah, le parfait aurait été tellement une bonne idée. Voilà, ça balance des ballons. Meta Sharapova ou 2m50 gaucher. Oh là là, il est beau. Ah, c'est dommage, le service était pas mal. C'est vrai que je varie pas trop les plaisirs. Attention, attention, attention. Maria, please. Ouais, lâché beaucoup trop tôt. Allez. Allez. Y'a pas de Meta Roger. Putain, c'est la merde. Balle de débreak. Allez, balle de débreak. Effacé. Oh, ça va. J'avais le temps. Aïe, 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 nouvelle balle de débreak. Attention. Je suis en souffrance un peu. Allez, c'est pas mal. Nouvelle balle de débreak effacée. C'est stress... Je suis un peu stressé là. Après, si le juge de ligne, il a décidé aussi d'avoir ses yeux dans son cul. Putain. Bien sûr là. Non, non. J'ai les baskets comme glissées. Putain, la merde, la merde, la merde. Ça commence à sentir un petit peu le cul sur cette mise en jeu. Oh, on a pris énormément de risques sur la deuxième. Oh là là là, ça joue comme une championne. Tu es la championne que tu pensais être, Maria. Dommage. Si t'aimes le tennis, tu joues Roger. Chacun son avis. C'est un peu ballot de... Mais mec! Allez, c'est bon, c'est bien, allez. Il est dur à gagner celui-là. On a voulu changer un peu. Ah, je fais pas beaucoup de parfaits là. Ça peut me coûter cher. Il en faut un. Celui-là peut-être. Ça fait 2-0, c'est pas mal, ça fait 2-0, on est bien dans notre match. J'ai vraiment du mal à servir sur le jeu. Joystick de droite, hein. Que le joystick, hein, vraiment en train de toi, que le joystick, le reste c'est de la pisse. Ah, le parfait, non, non, je fais beaucoup moins de parfait. Allez, ciao. Pas vraiment ciao, du coup. Allez, Joe Will. T'es nul.
toujours voir Jean-Michel avec ça, parce que voilà, ça permet de, d'éviter de... Voilà, d'un moment donné, de prendre de, un petit peu trop de confiance. Si tu vis avec un Jean-Michel, voilà, il sait te ramener les pieds sur terre. C'est quelqu'un, là, c'est une... Contre un mortier, c'est dur à faire. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux, hein, mais c'est pas évident. C'est rare que ta contre un mortier soit vraiment derrière le filet, hein, pour dire la vérité. Contrairement à la réalité. Je trouve que la volée est pas hyper bien gérée, moi. Elle est dure, bon, ça, pourquoi pas, mais... Pff, je trouve qu'elle est trop dure par rapport à ce que c'est, mais c'est normal avec les histoires de timing. Je fais beaucoup moins de parfait, là, donc du coup, je suis beaucoup plus en difficulté. Et c'est pas terminé. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est de la merde. Allez, celui-là est bien. On est de retour. Tu sers qu'avec le joystick. Avec le joystick, si tu veux faire des services forts, c'est que joystick, mec. C'est ce que les développeurs m'ont dit. Les super services, c'est que au joystick. Je suis là. Ah non. Ah, je pensais être là. Nickel. Alors, il se met à mettre, il se met à faire des services volés. On n'a pas compris. A fortiori, bien le bonjour. Ouais, ouais, c'est trop complexe, putain. C'est horrible le double sur le jeu, je trouve. Ah, le double, c'est dur. Hein. Allez, reviens, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Oui, pourquoi pas. Oui. À ce point-là, on est allé se le faire. Juste un petit perfect, là. Un petit parfait, là, un peu haut. Ah, dommage. Ah, c'est pas mal, ça, ça va le sortir. Faut conclure. Ah ouais, non, tu vois. Ah, il faut à un moment donné, voilà, le parfait. Allez, allez, nouvelle balle de break. On peut prendre un sérieux ascendant sur Carlos. Carlos le nul, comme on dit dans le jargon. Carlos le nul. Bonjour à tous. Quand est-ce que le mode affronter un ami sera dispo? Fin mai. Fin mai, le J-Acteur. Fin mai. C'est annoncé fin mai. Est-ce que c'est honteux qu'il soit pas là? C'est, je sais pas si c'est le mot honteux, mais c'est décevant, ouais. Mais je pense que ça pourra relancer un... Ça pourra redonner un peu de vie au jeu. Le jeu qui a eu une très très grosse hype très vite. Et qui maintenant c'est en train de se tasser, mais un peu comme tous les nouveaux jeux qu'on attend. Je suis en train de confirmer le break en vous parlant, genre en toute détente, alors qu'en fait je suis extrêmement heureux de mettre 3 putains d'ace. Ça fait 4-0, les gars. C'est énorme. Salut Casgrain. Comment il va le Casgrain là? T'es toujours en formation ou t'es en alternance? T'es comment mon Casgrain? Tu travailles là? L'homme du bois maintenant? Allez, j'ai essayé de mettre contre amorti, pas facile. Je te conseille de regarder Rugby 24 dans ce cas. J'ai jamais vu ça. Alors, Rugby 24 n'est pas encore présent, mais... Non, mais en fait, le truc, c'est que quand ils disent qu'ils sortent un jeu qui est pas en Early Access, qui est terminé, et qu'en fait, bah, il n'y a pas le mode inviter ses potes, je trouve ça fou quand même. Ouh là là, dommage. Ah, j'avais pas lui mettre une bulle, hein. Là, je sais que je me concentre un peu sur ma mise en jeu maintenant. Deux breaks d'avance. Oh, après, si on peut faire rire les gosses. Oh, beaucoup trop tôt. Ouais. Yo Casgrain, déçu de pas avoir pu passer hier, mais content que tu aies lancé une nouvelle aventure. C'est quoi la nouvelle aventure? Il a fait quoi? Sa formation dure autant que ses créations maison. Ça se finit jamais. Bernard Land. Ah ouais, stylé, stylé, stylé. Norland, ils ont pas voulu m'envoyer de clé. Je pense que je vais acheter le jeu, il est trop bien. Mais je l'achèterai au moment où genre vraiment je serais disposé à faire une vraie avancée Norland quoi. Et le jeu a l'air exceptionnel. Ouais, faut que je gagne ma mise en jeu par contre. Ouh là là, on est dessus, mais alors là il va nous faire mal. Oh le con. Voilà, faut pas me faire chier. Un dans l'autre et sur le Game Pass.
Allez, deux balles de 5-1. Et on l'envoie. Il se pose sur Game Pass, mais putain, mais... Mais je le prends direct. Petit taille sur la deuxième pour s'offrir le 5-1 sur le deuxième set. Et là, on est à 4 points. 4 points du niveau légendaire. J'arrive. Le Game Pass. Ils t'ont pas filé la clé. T'as eu une clé, toi? Ah ouais, bah bien joué, mec. Ah, mais comme quoi, tu vois... Mais hardcore, en vrai, c'est normal, tu vois. Peut-être que le mec, il me voit faire des jeux de sport tous les jours, il m'a vu sur le Dakar, il est en mode, mais qu'est-ce qu'il va foutre les doigts dans mon jeu, lui? Je peux comprendre. Il est tout seul aussi, le gars, à tout gérer, tu vois. Non, puis le jeu est cool, hein, à un moment donné, on a le droit aussi d'acheter des jeux. Hein. Nickel, on est dessus. Ah, au bout d'un moment, ça devient dur. Allez. Toujours à 3 points du match. Pour qui il se prend? On est à 2 points du match. Oh putain. Maria Sharapova. Maria Sharapova. Ah, il faut mettre 2-3 parfaits peut-être. De la puissance, c'est bien. Mais sans maîtrise. Oh là là. Allez, ça joue au tennis. Oh là là, je suis en train de stresser. Je mets rien de bien. Ah, je suis dessus, mais ça va être compliqué. Il se trompe. Ah putain, j'ai pas eu le temps de réagir. Ah, c'est serré. C'est serré, ça me rappelle... Oh, pop. Elle est faute. Et je confirme, jeu qui s'annonce exceptionnel, pas forcément tout clair au début. Oh, la double, c'était sûr. J'ai dû faire plusieurs runs pour bien tout appréhender, mais un HPI comme toi n'aura sûrement pas de problème. Pas moi qui le dis, mais... Non, mais Manor Lord, oui, ça a l'air très complexe. Enfin, complexe, non, mais fourni. Il a raté l'arc Lakeburg Legacy, qui était exceptionnel, hein, j'ai adoré. Hein. Ah, putain, bien joué, l'amorti, très bien posé. Je suis parti m'acheter des fleurs. J'étais un sandwich à la buvette, là. Petite pinte de Guigui. Allez, putain. Allez, il est beau celui-là. Toujours à 2 points. On est à 2 points. À 2 points du match. En vrai, Alcaraz, en niveau expert, on lui met 6-3, 6-1. C'est grandiose. Hein. C'est pas fait. Après, si c'est 6-3, 6-2, moi je prends. Hein. Pas de problème, je suis là, mec. Non. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. C'est surtout que. C'est l'alpha et qu'il n'y a pas de tuto. Ok. C'est toi l'alpha. L'ours alpha, là. Ah, c'est pas mal, ça. Oh putain, j'ai cru que c'était fini. La boulette. Voilà. C'est pas mal ce qu'on propose, là. Des petits coups, pour se recentrer, des petits coups précis. Sur les coups précis, vous pouvez vous replacer plus facilement. Un coup puissant, tu vois, ce qui est assez logique, tu vois, ce qui est pas mal. Allez. Ah, dommage. Ah, dommage encore. Ah, on a essayé. Recule. Comment veux-tu? Bien sûr. Ah, l'amorti complètement raté qui fait plaisir et le mauvais choix derrière. Ah, j'ai voulu mettre une petite amortie, je sais pas, j'ai voulu varier les plaisirs, j'ai merdé, t'as merdé, putain. On dirait Jean-Mich, quoi, putain. Ah, oh, bien joué. Ça fera 5-2. Attention, on sert pour le gain du match. On sert pour le gain du match. Pas d'erreur. No boulettas, por favor. Elle est tellement bonne, mais bref. Attention, on est en difficulté. Allez, celui-là est bien. 3 points du match. Les effets cinématiques et la géographie de Manorland est folle. Ok. Allez, du service, bien sûr. Vite fait. Ouais, c'est bien, ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, on a 2 points du match. Putain, j'ai envoyé une chichoune, là. Pas les kilométrages.
Alors, on se recule un peu, on se replace. On a le temps. On fait ce qu'on peut. Ah voilà, on fait plus rien. Mais des mots plus simples. Effet climatique, il a mis. Mais des mots plus simples. Et à la volée, on y est. Ah, on n'y est pas. Ah, j'ai tenté un truc, je suis con. Je suis con. Aïe, 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 on va se faire des breaks. Oh, la boulette. Non, pas de conneries, pas de conneries. Voilà, balle de break effacée. À deux points du match. Allez, Maria. Please. Oui, c'est beau, ça. Allez, première balle de match. Est-ce qu'on termine par un ace? Yeah! C'est fait. Oh là 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 là. Et les mecs ont critiqué, ouais, t'as pas joué contre un niveau 30. Et blablabla. Le niveau expert, validé, débloquez-moi le niveau légende. Débloquez-moi le niveau légende. On n'en parle plus. On a tous les niveaux. On a tous les niveaux. Ah, c'est bon en vrai. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. Très heureux. Hein. Allez à la boutique. Une petite boutique là, une petite boutique. C'est vrai que tu peux acheter des WC, c'est ça, non? Attends, y'a pas le truc genre... Là, tu peux t'acheter des petits trucs ouais, qui sont nuls. Là, tu peux t'acheter des trucs qui sont globalement... À part quand même ce superbe polo. C'est con que tu puisses pas mettre une robe sur ton gars, moi. Je trouve ça trop dommage. Ah, c'est un peu fermé, quoi. Ah, le survêt, ouais. Oh, il a une montre. Oh, la montre est très mal faite. Hein. Oh, très mauvaise idée, la montre. Hein. Très, très, très mauvaise idée. Ou alors, il a un trop gros bras, mon gars, mais... C'est sublime, ça. Y a pas le truc, là? Par toutes les... Non, et où est-ce que je vois le passe, mes couilles, là? C'est où, le passe, là? Estimation de... Je pense... Quand un jeu pour les bébous. On veut du niveau. Légendaire. Moi, je suis encore sur un truc légendaire, quoi. Voilà, tout simplement. Du coup, ça, c'est fait. C'est où le truc où on peut débloquer nos machins, là? C'est ça, le passe-cours central, je crois. Saison 1. Alors, on a débloqué des trucs. Alors, objet récupéré. Vous allez être servi. Excellent. Jeu de mots avec le service. Excellent. Très, très bien trouvé. Bravo. Service royal. Casino royal, le service. 180 WC. Allez, ça se prend. 100% boost d'XP. Animation masculine d'avant-match. 180 WC. Des chaussettes. Ah non, on joue sans chaussettes. Dommage. Mais c'est des chaussettes épiques. D'autres chaussettes Nike épiques. Avec écrit McEnroe dessus. Une jupe orange et verte, dégueulasse. Un short à moitié. Il est dégueulasse, mais il moule bien le paquet. Deux WC, des boosts d'XP. Et si on se faisait quelques échanges? Matchmaker. Une petite jupe courte, là, qu'on aurait bien aimé, bien sûr. Un petit short. Un short très court. Ah, ça peut nous plaire. La white card. Vous avez le track. L'optimiste. Ça va pas aider les dyslexiques, ça, mais... 50% de boost de WC, des bandeaux de poignet Wilson. Bah, les gars, ça faisait 8 ans que je l'ai pas ouvert. Retour inactif, femme Serena. 100% boost d'XP. Animation féminine d'avant-match. Des Chaos Swift Clay Bad Femme. Des Chaos Swift ST Worm. Short double édition Roland Garros. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, les chaussures de Daniil Medvedev. Oh, les chaussettes longues. Oh, le polo. Oh, les... On a tout Lacoste. Tenue de nuit, terre battue, Medvedev. Ouais, on vient de la débloquer. Ah ouais, non, on s'est mis bien, là. Ah ouais, 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 ouais. Et là, on arrive à tier 21. En fait, en vrai, faut arriver au tier 50, là, où t'as toute la tenue. Voilà, quand t'arrives là, mon gars, t'es heureux. Le tier 50, mon gars, t'es ultra heureux.
Parce que là, t'as 7 combis là, je vais pas vous mentir que là, le short en jean avec le cuissard fluo, la meilleure époque. La meilleure époque. Bon bah on est content. Moi je pense que ce match montre également la limite du jeu. En vrai, je pense que ce match montre pour moi les limites du jeu. Quand t'es au service suivi de faire service sortant, si t'es pas un ace, tu le fusilles direct après. Tu dois faire un truc quoi, avec l'IA pour éviter que ce soit tout le temps pareil. En fait, si l'IA est... Il y a des moments où l'IA te répond par un coup gagnant très fort, longue ligne. Mais c'est un peu rare, ouais. Après, c'est ce que les tennismans essayent aussi de faire souvent, hein, tu vois. Quand tu peux servir fort sur le T, bien sûr, parce que la hauteur du filet te permet de le faire, mais... Le filet étant plus bas au milieu. Mais... Souvent, c'est un coup intéressant, quoi. C'est vrai que, après, t'as tendance à jouer à peu près tout le temps la même chose. Ouais, mais Rizmaev, je crois que c'est pas un très bon exemple, je crois. De ce que j'ai compris. Bon, on est bien. Alors, on continue le Mike Harrier. On doit faire évoluer Francisco. Bon, maintenant, on a vu Francisco, on a des nouvelles tenues à te faire essayer. Francisco, il y a des nouvelles tenues. Bon, ce polo-là, c'est non. Mais... Ah, il est pas assez court, ce short. Ah ouais, mais désolé, nous on veut voir la cuisse, on veut voir le cuisseau. Pardon, mais on veut voir le cuisseau. Voilà, cuisse apparente. Là, pour le moment, on a... Ah. Ah, ben, ah, oui. Un peu de... Oui, on dit oui. Oui, on dit oui. Un peu de petite folie. Un peu de folie. Matignon, merci beaucoup, Thibaut. Ah, pardon, j'ai pas répondu. Thibaut, merci pour le deuxième mois avec ton Prime. Et Matignon, merci pour les 23 malabans. J'espère que vous êtes toujours là, les copains. Juste, j'ai pas lu, j'étais concentré avec Sharapova. Solidarité avec la commu française, Poney. Ah bon? C'est un français? Qu'est-ce que tu veux que je sois solidaire? Je m'en bats les couilles. Il a battu Kuhn, je crois. Ou il a été méchant contre Kuhn. Je m'en bats, moi, c'est... Le retour du jeu, à qui appartient cette cuisse? Ah ouais, c'était vraiment ça. À qui quelle est la cuisse? C'est vrai. Les chaussures! Moi j'aime bien les chaussures orange. Très bien. En vrai, premier dog. Bon, même si Francisco devrait pas jouer avec une chaussure où il y a écrit Dani Medvedev dessus. Celles-là aussi sont pas mal. Hein. Un prime donné, c'est un streamer sauvé. Bon, jamais de chaussettes, hein. on est pas là pour ça. Oh putain, les chaussettes hautes comme ça là. Il nous régale, mais pas de chaussettes, ça le perturbe. Et les bradillons Wilson, là, on s'en branle. Voilà. Eh, le style est dégueulasse. Oh, il peut être exceptionnel avec son petit polo. Tu sais qu'on va le mettre comme ça. Oh, il est un peu dégueu, là. Je crois que c'est un grand oui parce qu'il est un peu dégueu, là. Ah, il est estival. C'est un Francisco estival. Tib, merci pour le follow. Je joue nu. Putain, tu nous donnes envie de regarder. Merci pour le follow. Et flow over the. Merci pour le quatrième mois avec ton prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pour la gueule. Il est dans son jus. Ah, il est beau gosse, là. Là, il est beau gosse. Bon, il faut qu'on fasse quoi? Remporter 3 entraînements. Argent. Très bien. On y va. Tiers or, non, tiers argent, nous emmerde pas. Voilà. C'est quoi, c'est un frappe de fond de cours. Putain, ça m'emmerde. Frappe de fond de cours, volée, service. Allez, on fait des services. Allez, on doit remporter 3 entraînements argent, on se dépêche. Il a sorti, mais raté, c'est parfait. Exactement. Voilà, ça attrape la bande du filet, c'est beau ça, Francisco, on apprécie ça. Voilà, un petit plus 3 là, on doit mettre 80 points, faut te manier le cul. Voilà, c'est faux ça. On aime ça, Francisco. C'est pas Sharapova, hein, putain. Deux bandes du filet, impeccable. On perd pas de temps. Voilà, un petit plus 5 quand même qui sort de nulle part. Mec. Mec. Voilà, on est obligé de faire ça en fait. Voilà, c'est super. Service bien mou du cul, là.
Voilà, on est bien bien mou du cul nos services. Voilà, on est bien mou du cul là. Voilà, service bien nul. Voilà, bien bien nul nos services. On apprécie. Voilà. Voilà, bien mou du cul là, c'est bien ça. Voilà, bien mou du cul. Voilà, un 3. Et là, et on refait un 3 pour avoir un truc parfait. Voilà. Voilà. T'as pensé à lui dire qu'il fallait viser? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, j'ai pas pensé tout de suite, c'est pas faux. Alors, ensuite, événements spéciaux. Champion à domicile. Putain, y'a pas. Y'a pas. Y'a rien à gagner, mec, y'a rien à gagner. Pff, DVC. Ah, le homiste. Bon, tu sais quoi, on va le faire, ça. On doit gagner le terrain Center Crépuscule, mes couilles. Cette récompense est déverrouillée en portant un tie-break en double. C'est un double. Oh, putain. Oh putain! Oh putain, c'est horrible! Ouah, les beaux gosses! On joue avec. Oh, c'est Zizi! C'est le retour de Zizi! Zizi, Zizi, Zizi! Et on joue la paire croate, bien sûr! Allez, Zizi! Ah, oh, ouais, t'as raison de lui en donner! Voilà! C'est bien ça! Allez, Joey! Allez Zizi, allez Zizi, allez. Allez Zizi. À la volée, je pense qu'on risque d'être assez impressionnant. Non mais, pas de chat quoi. Non mais tu m'emmerdes Zizi. Dommage qu'on a vécu. Allez. Voilà. La volée, on est impressionnant, pas impressionnant. C'est pour Jack Bauer celle-là. Celle-là c'est pour Jack Bauer. Aïe. Aïe. Allez Zizi, oui c'est beau ça Zizi. On joue que sur l'autre gond. Allez Zizi. Allez Zizi. Allez Zizi. Putain mais Zizi, Zizi. On sert jamais nous. Putain, j'avais mis un truc parfait. Allez Zizi. Allez Zizi encore. Allez Zizi. Allez Zizi. Allez Zizi. Non. Ah j'ai raté. Pardon Zizi. Allez Zizi encore. Oh non. Pardonne-moi Zizi, celui-là vraiment tu étais l'élu. Allez, fini ça. Voilà, c'est bon, ça c'est nickel. Ça c'est grâce à mon gros service. Il est tendu, Zizi. Ouais, Zizi. Allez, Zizi. Oui, Zizi. Oui, Zizi. Encore, Zizi. Allez, 5. Allez, allez, 2 points, 2 points. Allez, bordel. Voilà, on lui met loin. Ah, dommage. Oui, Zizi. Je joue que sur le mec de droite. Allez, on... J'ai dit... Que sur le mec de droite. Qui s'épuise. Voilà, faut qu'il s'épuise un peu. Allez, épuise-toi. 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 Épuise-toi.
Et là, mon zizi, au bout d'un moment... Épuise-toi! Allez, mon zizi. Il en peut plus, au bout d'un moment! J'ai perdu la bataille de la Diago. Je suis dégoûté, mec, d'avoir perdu la bataille de la Diago. Je suis dégoûté, putain! J'étais parfait. Mec, balle de match, mais on efface ça, c'est rien. Il m'a lobé, c'est à Zizi de le voir, ça. Il m'a lobé, c'est à Zizi de le voir, c'est pas moi. Putain, on recommence. C'est à Zizi de le voir, il m'a lobé. Putain, Zizi est parti s'acheter un... Allez, Zizi. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Allez, tu finis ça. Pourquoi pas. Allez. Ouais, c'est parfait, ça. Tu vois, l'autre, il le sait, ça. Voilà, c'est bien ça, Zizi. C'est bien ça, Zizi. Attends, je vais le faire venir à la volée. 1-0, team 2. Je sais pas pourquoi je la croise. Je suis pas obligé de faire ça. On va pas réussir. Hein. Allez, Francisco, reprends-nous ce zizi en main. Compris. Il est malade, lui. Il se prend pour qui, là? Ah mais pour qui il se prend? Ah mais pour qui il se prend? Recule. Putain, la chatte. Eh, recule. Mais pourquoi il part? Putain. Ah là, tu viens de dire tout à fait autre chose, non? Voilà notre premier point. Non, V9, je crois que là t'as... Ouais, non, je crois que là vraiment t'as... Là, tu viens de dire totalement autre chose, je crois. Ah mais d'où? Voilà, on intervient pour bien casser les couilles. Voilà, on intervient encore. Voilà, on t'a feinté, mon con! Elle est pour Jack Bauer, celle-là. Elle est pour Jack Bauer. Non, mec, j'appuie vraiment court, là. Vas-y, si, c'est bon! J'ai tellement confiance en toi, mon Zizou! Oui, mon Zizi! Ah, c'est de la pisse! Ah, c'est deux fois de la pisse! Il y a Zizi qui est là! Zizi! Il est pas si mauvais que ça, Zizi! Voilà! Ils ont craqué! Tiens le bon bout, Zizi. Je vais mettre en fond, en fait. L'autre, il me la laisse, on sait pas par quel... Allez, Zizi, t'es dessus. Et là, y'a plus personne en... Ok, y avait du monde. Et là, le lob, là, mes couilles. J'en peux plus d'eux. C'est officiel. Et là... Voilà! On les baise! On les baise! Avec Zizi, on les baise!
Petit ice extérieur sublime. Francisco n'est pas à l'aise à la volée. Il est très à l'aise, mec. Très, très, très à l'aise. Allez. Rappelez-moi de pas lober un mec qui est pas à la volée. Ah, c'est important. Tout de suite, on se refocus. Allez, on a deux points. Two points to the win. Ouais, Zizi, c'est superbe ce que t'as proposé, c'est superbe. Eh ouais, c'est superbe, mais c'est con, au bout d'un moment, laisse-moi les balles, con. Putain, laisse-moi les balles. Putain, il s'en fout plein les baloches, lui. Ah, c'est bien. Il a... Oh, Zizi! T'es superbe, Zizi, t'es superbe. Allez, balle de match pour débloquer. Putain, c'est con, parce que là, il y avait un truc à faire. Putain, c'est con. Vas-y, vas-y, t'es dessus, Zizi. Je retourne là-bas, je retourne là-bas. Ouais, Zizi. Zizi, on a besoin de toi. Oh, il est beau, celui-là. Ouais, il y a que Zizi qui joue. Ah, il y a que Zizi qui joue. Zizou, quoi. Alors là, par contre, ils ont décidé d'arrêter de jouer. À un moment donné, ils se sont dit ah, c'est quoi, le cours, on l'avait réservé qu'une heure. Alors du coup, on pouvait pas tout faire. Zé, 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 zé. Là, le tournoi, on va pas le faire parce qu'on doit se reposer. Même si c'est vrai qu'on a tous envie d'aller à New Delhi ou d'aller au Gold River Stadium. On a tous envie d'aller au Gold River Stadium. Je suis d'accord avec vous, mais on a 61% d'énergie. Et si on se repose, on revient à 100% pour un mois de mars, Tony Truant, tu vois. Après, il faut qu'on dispute un tournoi T500. Second poteau Pavard. Aïe, 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 aïe. Après, on sera sur Durant. Écoute, on va à New Delhi, on va à New Delhi, on gagne. Ha habido movimientos en la clasificación. Vamos a analizar cómo afecta. Jérôme Mistral, bienvenue. Mars, 41 mois d'abonnement. Merci infiniment. Cécile, la première partie, bienvenue. El Nozard, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. I'm Larry, enchanté. I'm Pony Club. How are you? Faites confiance à Zizi. Non, mais c'est bon, là, on a dit Azi. On va jouer Cassian Guzman. Cassian Guzman, globalement, on l'a déjà. On l'a jamais joué, Cassian Guzman. Ok, première fois qu'on joue Cassian Guzman. C'est un mec qui a de la puissance et tout. Regardez-nous, les stats, c'est quoi? C'est puissance, vitesse, endurance. Endurance au max. On est un joueur de sport avant d'être un joueur de tennis. Nous, le tennis, c'est anodin, c'est à côté. Là, on est en très difficile. Très difficile. C'est vrai qu'on pourrait pas se passer en mode expert. C'est ce que je veux dire, ma gueule. On va pas non plus se prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, on n'hésite pas. Voilà, on se replace un peu. Voilà, replace-toi. Là. Avance sur ta balle. Voilà, superbe ça. Voilà, sublime ça. Sublime ça. Des coups bien de merde. Et là, tu te décales. C'est beau ça. Très axial. Là, on va peut-être mettre un petit peu de. Voilà, des petits effets. On le fait venir. Hop là, on l'a fait venir. Voilà, on l'a fait venir pour lui passing shotter la gueule. 15 Hello Pony, alors cette partie avec Arthur et Elkoun, incroyable Jérôme, beaucoup de plaisir, hier en tout cas c'était fou. Je pense qu'on va être sur une très très grande Zilane. Faut juste traverser la France maintenant en voiture avec un PC dans le coffre, ça va être incroyable. Est-ce qu'il existe genre des sacs de tours, mais qui protègent quand même la tour? Un truc genre qu'on peut acheter genre pour transport, je pense que ça doit exister. Les mecs qui bossent dans l'informatique, là. Ouais. Est-ce qu'ils en font chez Matnet? Oh, je vois. Matnet, bien évidemment, matel.net, le sponsor. D'ailleurs, attends, il est affiché ou pas, quelque part? On a affiché Matnet, quelque part. Normalement, c'est en roulant. C'est un truc roulant. Attendez. Il est où? Est-ce qu'il s'affiche de temps en temps? Normalement, oui, hein. Ils sont où, les coquins, là? T'as le permis? Quasiment 40 balais, mon ami, donc si j'ai pas le permis. Ah, mais putain! Voilà, faut qu'ils soient là, les cons! Putain, voilà, je les voyais pas trop, là.
faut les afficher là. Oh, Matnet là, oh, ils sont là là. Partenaire particulier. La boîte de ta tour dans ton sac piqué à Ikea. Ah, ça, c'est pas con ça. Oh, ça va. Allez, on prend un risque. Pas ouf le risque. Pour. Voilà. Dans une valise, cabine, ça rentre. Ah non. Est-ce que tu t'emmerdes, tu prends ton sac de rugby? Ça rentre pas les gars. Non, je crois que vous vous rendez pas compte de la taille de la tour. On est sur une tour professionnelle là, messieurs dames. Moi avant je pensais que j'avais une grosse tour et puis Metal.net m'a gentiment fourni un ordinateur de qualité. Le Goliath. Je peux vous dire que la tour mon gars... Ceux qui me disent mets-toi en double PC, je dis attends j'ai déjà une tour mon gars, c'est un mur porteur le bordel. En vrai c'est trop bien parce que quand tu vois la taille des cartes graphiques maintenant, il faut. Hein. Sinon ton PC il étouffe et... T'as de la poussière partout, c'est une énorme merde, mais... T'es pas Sharapova quand même, panache, hein. Je suis là, mec. Je suis encore là. Je suis toujours là. Quel point ? Et là, maintenant que t'es monté, mon con, c'est fini! Quel point de Francisco Panache! Tout en orange. Et là, tu mets un gros... Bah attends, il envoie de... Il frappe un peu, hein. Ah, il met un contre-pied parfait. C'est une tenue pour se fondre dans le décor. Bien, je sais pas. Un bouffeur de ligne, ce Francisco. Allez. Allez. Oh putain, trop tard. Allez, bien joué. Bibiodo. On y est. On boise. Salut Poney, je me permets. Montre-nous ton énorme tour, s'il te plaît. Ah, je peux pas en vrai. Je peux pas vous la montrer, mais. C'est une énorme tour. Sur mon OnlyFans. Y'a des streamers qui ont créé leur OnlyFans pour la déconne, pour rigoler ou pas? Après, pour le savoir, genre, faut s'abonner ou un truc comme ça, non? Bah, c'est une appli OnlyFans ou pas? C'est une appli ou c'est juste un site? Bon, montre-nous ton autre tour. Ah, je viens de comprendre. Allez, hé, hey, faut la ramener de l'autre côté, la main. Genre, il sait pas comment... Je te jure que non. Non, premier dog. Tu sais que moi, il y a des applis que j'ai pas installées. Genre, dans ma vie, j'ai jamais installé Tinder, par exemple. Tu nous montres son compte OnlyFans avec ses photos. Joe Marler, il a fait un compte OnlyFans. Mais non. C'est exceptionnel. C'est... Vraiment, c'est exceptionnel. Y'a des applis, tu vois, que je connais pas, quoi. J'ai travaillé, moi. Avant, je créais du contenu. Je faisais ce qu'on appelle du branding, tu vois, genre... Pour d'autres... créateurs de contenu, tu vois, genre, tu dois incruster Fruits, par exemple, l'appli de rencontre, pour tel ou tel truc. Donc j'ai vu un peu l'appli Fruits, mais je l'ai pas sur mon téléphone. Ça va, là? Avec tous tes cosplays, en vrai, tu pourrais faire OnlyFans pour la déconne. Le jeu est bien ou faut attendre un peu avant de l'acheter? T'auras pas grand chose de plus, à la fin du mois tu pourras jouer avec tes amis, voilà c'est la seule diff. En gros si le jeu te plaît pas en l'état, attends 2K26 quoi. Si jamais, il arrive. Ça va, calmez-vous. Voilà. Moi je trouve que le jeu est très cool, je mets un 13 sur 20 quoi, ça dépend de ton exigence. Alors que le jeu est bien,
Mais si t'es très exigeant, ou si t'es pas spécialement fan de tennis ou quoi, tu vois, tu vas vite t'enlacer, quoi. C'est un jeu de tennis, quoi. Qui remet un peu à l'honneur le fait que, en carrière, bah, t'enchaînes les matchs, quoi. Moi, je trouve qu'il manque un peu de fun. Mais il est très sympa, quoi. Franchement, il est super. Après, c'est sûr qu'il y a plein de trucs. Le prix est assez engageant, on va dire. Il est cher, quoi. Il est cher. On a passé un tour, on s'enflamme pas. On s'enflamme pas, on a juste passé un tour. Pas d'enflammade. En la clasificación. Vamos a analizar cómo afecta a este torneo y al resto de la temporada. Ah, bien sûr. On va voir comment ça va se passer la suite, parce que là, il va jouer contre Devada Sudin, qui est quand même un joueur du Bangladesh. Devada Sudin, c'est quand même pas le dernier. Il a un coup droit, il a un revers. De temps en temps, il a un service, il a un peu de volée. C'est quelqu'un qui est moyen partout. Alors, c'est vrai qu'il revient d'une entorse. Comme vous pouvez le constater en haut, il revient d'une entorse, le con. Bon, bah, il a une entorse au poignet. Bon, c'est pas de bol parce que c'est sur son coup droit. Voilà. Rang mondial 12, putain. On est 12e mondial. Bah, attends, on peut rentrer dans le top 10, là. J'avais pas fait gaffe. Ah, c'est le personnage. Ouais. Moi, vraiment, le fait que il y ait pas les vrais joueurs me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est d'avoir que 80 joueurs créés, quoi. Ça me fait péter un câble. Salut Valdonight. C'est histoire de lancer le streamer sur la modification de voix, mais il a pas relevé, tant pis. Merde, t'avais dit quoi, mon Teddy? Merde, ouais, j'avoue que j'ai pas dit. Entorse au poignet, pas contracté à l'entraînement par ailleurs. Par ailleurs. C'est peut-être pas le dernier, mais c'est visiblement pas non plus le premier. Elle est bonne, mais ok, très bien. Allez. Edin. J'imagine qu'il l'a fait pour rigoler, mais je sautais sur l'occasion. C'est pour le troll qu'il l'a fait. Ah, genre Marleur. Ah bah oui, forcément, il l'a pas fait pour du business. Hein. Mais en vrai, c'est drôle, tu sais, Marleur, c'est vraiment... C'est l'un des rares anglais qui a quand même un bon sens de l'humour. Charize, comme ils disent en Uruguay. Oh, il est allé la chercher, celle-là. Et celle-là, tu vas la chercher aussi. 30-15. Et là encore. Et là 40-15. Allez. Mec, on est en très difficile, on est au niveau 15. C'est vrai que là, la carrière, tu vois, t'es en train de... Enfin, j'ai pas de difficulté, quoi, tu vois, je suis en mode... Faut que je passe au niveau expert, sans doute, hein. Francisco est-il trop fort pour les concurrents? Après, on est en T200, en T1000, on a galéré quand même. En Masters 1000, on a galéré. Donc, pas trop d'arrogance non plus. Là, on est en 250, c'est de la piste. Bienvenue, merci pour le follow. Bienvenue avec des potes. Avec Patoche, quoi. Avec Patoche, c'est Ricoche. J'aime bien, je vois ce que tu veux dire, un truc cochon un peu. Allez. Deux coups parfaits magnifiques et après je fais cette merde, putain. Robin des bois du gazon. Un Robin du gazon. Un joueur plutôt de pelouse, bien sûr. C'est pas le dernier. Allez. Joey, merci pour le follow. Robin, héros du gazon, bien sûr. Juste une passion pour les ricochets. Autant pour moi. La chanson de Matt Pokora. Petit ref musical, bien sûr, qui ne fait jamais de mal. On est à la volée, on souffre, mais on y est. On y reste. On y reste. Elle est pour Jack Bauer, celle-là. Elle est pour Jack Bauer. Il n'y a pas de follow. Ah, mais chaque follow déposé est une véritable qualité. DDP, bienvenue. Dehors, dedans, partout. On connaît la marque.
Allez là, va jouer là-bas pour voir. Allez, c'est bien, c'est mignon ça. Panache. Allez, et on monte à la volée. Et allez, on est là. Et on conclut. Oh, qui veut être modo? Ou qui est le frère à Henrik? C'est le cousin. Tout le monde connaît un Roro, de toute façon. Genre, en vrai, un mec qui s'appelle Romain ou Thomas, tout le monde... Genre, il n'y a pas un gars qui connaît pas un Romain ou un Thomas. Un gars ou une fille, bien évidemment. Et c'est pas grave, hein, c'est très bien. Souvent, c'est pas des gens désagréables. Voilà. Ouais, mais un Rodrigue. Un Rodrigue, j'en connais un. Hein. Je préfère le foot quand même. Je comprends. Ah là, on est sur du tennis, mon ami, mais... De temps en temps, il y a du Football Manager. De temps en temps, il y a... Après, là, je vais pas te mentir, on est un peu dans la période Roland-Garros. Donc forcément, il y a du tennis un peu partout. Le pire, c'est de connaître un certain Rivenzi. Pas tout tort. Le craquage complètement con, alors qu'on était bien. T'as pas tout tort. C'est vrai qu'un certain Théo... J'en connaissais pas beaucoup des Théo, en vrai. Un Romuald. J'ai eu un Romu, ouais. Au rugby. Allez, mon grand. On arrive en finale. Francisco Panas, tenis manos ansias, petit me costo sur le corps. Rominique, non. T'es devenu fort à ce jeu. On a juste débloqué le mode... Juste débloqué en battant Alcaraz le mode légendaire, quoi. Mais mec... Non, mais mec, tu dis la même chose tout le temps, on n'en peut plus. Je vais me booster l'XP, là, je vais me booster l'XP, là. Vas-y, booste-moi l'XP, là. Booste-moi les WC, là, booste-moi les WC et l'XP, là. Booste-moi tout, là, booste-moi la gueule, là. On joue chez Schmitt. Le mec, il est venu en survêt, là, il se fout de notre gueule. Il fait quoi? C'est un triathlon qu'il fait, le con? Il sort de la piscine, il est en combinaison. Il se prend pour qui, l'autre, là, le nageur, là? Il est fou. Monsieur Schmitt, là. Atmo, bienvenue. Adri, bienvenue. Twitch Prima, bienvenue. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Le mec, il joue en Ligue. Oh, ça lui fait des énormes baloches, par contre. Mais respect. Bravo. Non, non, mais attendez, on voit que ça. Le clignotant allemand. Le clignotant. Mais respect, monsieur. Ça va être chiant pour se déplacer quand même. Sacré vurs, le Schmitt. Non mais mec, c'est quoi cette tenue? Alors que nous, on est délicieux. Ils nous respectent pas. Je vous annonce, ils nous respectent pas. J'ai une grosse voix, je m'appelle Artko. J'annonce des trucs sur la ligne. Allez là! T'as du mal à courir! Ça fait mal au niveau des cuisses! Salut Gustin. Y'a pas les balles dans les poches, viens. Non mais on est d'accord, non, c'est moi. Allez! Allez! C'est la finale, hein. C'est la finale, on lui laisse aucun espoir. À part peut-être sur ce service. Allez! 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 Il a du mal à se déplacer quand même. Son coach lui a dit de montrer ça. il a pas bien compris l'expression. Ah, j'ai voulu varier les plaisirs. Autant pour moi, on va lui mettre un... Allez! Chat Funest, bienvenue. Kix, Rocket League, bienvenue. Comme dirait Jano, mais qui fait ça? Il est ralenti. Ah, c'est vrai que
Il y a une résistance au vent, quoi. Il a certainement une résistance au vent qu'il en mette. C'est un match d'exhibition. Bienvenue, mec. Continue de monter à la volée, ouais. Hésite pas, ouais. Hésite pas, hein. Il n'y a plus de place dans le sac. Reviens, reviens. Allez, c'est cadeau, celui-là. Allez, c'est cadeau. Pour le moment, c'est parfait. On a fait la moitié du chemin. 6 points gagnés, 0 perdus. Finale sur les chapeaux de roue. Et voilà. Viens la voler là. Viens sur l'autoroute. Oula. Ah là, il a merdé. Il y va même pas. Il se déplace même pas. Il veut pas jouer au tennis. Il veut pas jouer au tennis, tu mec. Putain. Et alors? Calme-toi, maman. Et alors, les gars, c'est un match parfait pour le moment. C'est un match parfait. 12 points, 0 perdu. Terminé. Et le titre pour Francisco. Tennisman en transition. Le public était chaud. À son centre de gravité. Sur la terre battue, il glisse avec agilité. Comme un matador, il défie la gravité. C'est confus, une véritable féerie. Mais derrière son sourire, des ombres à l'infini. Nouvelle coupe pour Francisco. Francisco Panas, tennis man en transition. Allez, elle est petit short quand même. Sur un cha-cha-cha. Putain, bravo Francisco. Oula, j'ai failli vomir. Mec, il a rien gagné quoi. Voilà le bête de bonus, le bonus. J'ai failli vomir. Short blanc, Shengzhou Arena Shengzhou, au crépuscule. Eh ben, ça fait plaisir. C'est moi, Francisco. Il y a un petit air de Mario Lemina. Je vois ce que tu veux dire, V-Dub. On est top 10. C'est un joueur exceptionnel. J'ai jamais vu ça de tous les temps. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde. Il est top 9. C'est vrai qu'il est énorme, mais pas comme Schmidt, qui lui est énorme aussi, mais pas au niveau du tennis. De l'autre côté, c'est vrai qu'à rentrer dans le top 10, maintenant, il faut y rester. Ah, je peux te dire que quand il rentre quelque part, il y reste. C'est quelqu'un de très ambitieux. Et c'est vrai que moi, je suis chambre 54 à l'hôtel si jamais il est intéressé. C'est vrai que moi aussi je suis intéressé. Voilà, je vous fais la trad. N'hésitez pas. Max TCG, merci pour le 31e mois d'abonnement. Merci infiniment. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. C'est juste beau. C'est juste beau. C'est juste votre vie. On se fait le dernier entraînement de merde là. Argent. Frappe de fond de court. Et là on a quoi? Frappe de fond de court. Volée. Ouais, frappe de fond de court. Allez, on se fait ça en 2-2. Pourquoi tu stream comme un commentateur? C'est une forme positive de critique de quoi je stream Ouais, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par là, monsieur Robin. Je sais pas, je stream comme je vis, quoi. Je sais pas, comment tu veux. Tu veux que je m'endorme et que je fasse du react? Pas de problème, on va faire le react des héros du gazon et on va dire trois phrases par... toutes les demi-heures. Et après on va rire, on va faire des arrêts sur image, on va rire. C'est ça que tu veux que je fasse? Désolé mon grand. C'est pas notre tambouille. C'est pas notre tambouille, peut-être un jour, mais c'est pas notre tambouille. Le deck qui se réveille. Ah là là, non mais c'est vrai quoi, pardon mais... Le mec... Non mais je pense que c'est pas forcément une critique, genre c'était peut-être une question, mais c'est vrai que posé comme ça ressemblait un petit peu à un... Tu vois genre les trois dernières gouttes de pisse tu mets sur les chaussures quand même, ça ressemblait un peu à ça. Ah pardon monsieur, excusez-moi j'avais pas vu. Vous pissez sur ma bagnole. Je peux finir? Ouais bah allez-y. Non parce que vous avez... en fait on a les mêmes voitures. Monsieur vous pissez sur ma voiture.
Après, moi, je commande l'escrime aussi. Hein. C'est peut-être pour ça. Tu m'as peut-être vu sur la chaîne de mon meilleur pote Zera. Peut-être ça aussi, ça a peut-être joué. Putain, ça, il en manque un, là. Le problème, c'est plutôt s'il streamait comme un gamer. Car là, on pourrait se poser les vraies questions. Oubliez pas le Scrabble. C'est une rêve d'Antoine Dupont? Pas du tout. Consultant pisse sur France Télé Splash. Le mec, il pisse sur ma voiture avec ma bite. Non, mais c'était marrant. C'était marrant. C'est vrai que j'avoue que si j'étais un streamer gaming, vraiment... Est-ce qu'on peut aller... Voilà! Mec, tu veux qu'on gagne quoi? Mec, on a déjà tout gagné. Bon, bah on va à l'eux, mais... Mec, on a déjà tout gagné. Ils veulent qu'on regagne un... Remporter 2-0. Mais putain, mais... On joue contre qui, là? AJ? Et... Oh putain, le con Philippe Châtrier contre Alcaraz. Mais, non, mais bien sûr, il faut faire cuire le cul. Il n'y a pas un joueur français. Il nous mettait Alcaraz. Bien sûr, et à Madrid, on met qui? On met ma mère. Et en platine, il y a qui? Alfaro. Au Cherry Blossom Stadium. Cherry Blossom. Berrettini. À l'Olive Tree Park. Se fout de notre gueule. Et McEnroe. Au Kinzong Tennis Center. Ils se foutent de notre gueule, hein. Vraiment. On s'est déjà foutu de ma gueule dans la vie, mais là, alors là, jamais comme ça. Ok, on va finir ça. On fait ça. On récupère le... En gros, on fait les petits défis pour monter. Fais RB, si tu veux, sur les entraînements. Non, mais en fait, là, il fallait que je fasse des trucs argent, mon ami. En gros, pour passer le truc, faut que je fasse des trucs argent. Faut que je finisse des trucs que j'ai déjà fait. First set, perish to serve, play. Après, nous, on adore le gazon. C'est vrai que c'est quand même... L'idée de monter là-dessus, c'était... Ah, c'est un super tie-break, quoi. Faut pas que je fasse le con. Perso, quand j'allume ma clove et que je tiens une bière dans la main... Je vois ce que tu veux dire. Un frère. Un live ASMR. C'est vrai que nous, on a un peu de décibels, quoi. Bon, on va arrêter de se faire prendre pour une énorme merde. Voilà. Viens sur l'autoroute. Calmez-vous. Je m'échauffe. Elle est bonne, mais bref, 149 km/h. C'est de la merde, putain. Voilà, 180, c'est mieux. Quelle médisance. Boutera bien qui boutera le dernier. Et là! Putain, 186 extérieur, ça partait bien. J'ai pris des risques démesurés. Waouh, non, non, aïe, aïe, croque monsieur. Aïe, non, t'es pas obligé d'y aller là-dessus. Aïe. Ah ouais, non, mais je vois, ok, j'avais pas lu. Ok, aïe, je comprends. L'adage est pas bon. L'adage est plus bon, c'est terminé avec cet adage, hein. Non mais en vrai, y'a rien de... On connaît l'adage, et en effet, quand t'as une fille de 12 ans, l'adage, tu l'oublies très très vite. Mais même en vrai, tout le temps. Hein. Même si en vrai, bon voilà... Fut un temps, on comprenait l'idée de... L'adage, c'était de l'humour parce que ça nous choquait, donc si ça nous choque, c'est que c'est le concept de l'humour, voilà, c'est mettre le doigt sur quelque chose de dérangeant. Là, je suis pas bien, là. 6-2. Et là, vous dites 7-2, il va perdre. Eh bien, non. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Et regardez, la remontada, ça part de là. Oh là là. Ça part de là.
La démontada. Non, mais c'est trois fois rien, c'est rien. On l'a déjà battu. Là, on a été sympa avec elle, on recommence. Allez. Allez. Vendex sait ce qu'il fait. Il est là pour assurer l'ordre. Waouh, Icebot, c'est incroyable. Elle partait de là. Non, mais ça part. Là, c'est bon, on recommence. Oh, t'es les conneries. Voilà, donc là déjà, voilà, déjà c'est une autre limonade déjà. Déjà c'est une... Oh, non, j'étais pas concentré, ça parlait de pelouse et tout, c'est perturbant quoi. Moi j'ai pas de jardin personnellement, donc forcément c'est un... J'aimerais bien un jardin c'est stylé là, ne serait-ce que pour mettre un barbecue dedans. L'idée du jardin, l'image qu'on a du jardin. C'est... Ah ouais, tu veux dire une pelouse, des fleurs et tout, non, un barbecue. Putain, elle me fait du mal quand même. Elle me fait du mal quand même. Et moi aussi, je lui fais du mal. Oh là. Un salaud. Voilà. Expert pelouse. Elle a combien de centimètres à Wimbledon? Je crois qu'on est à un truc genre moins de 2 cm, je dirais 16 mm perso. Vous avez la vérité. Et j'aime bien Poney cultiver son potager. Parce que Poney Club est le plus ancien de cette chaîne. Waouh, il se casse. Vous faites mutuellement du mal, c'est vrai. Allez, reviens. J'arrive. C'est 8 mm. 8 mm, putain, tu vois, j'avais un multiple de 8. Oh, mais attends, mais des chichous, non? On se fait du mal, là, quand même, hein. Ah, il y a peu d'échanges, mais c'est aussi ça, Wimbledon. J'ai merdé, là. 8 mm, putain. J'aurais dit plus. Ah putain, c'est pas bon. Là c'est bien. Ça dégage. Putain, c'est serré hein. Faut pas que je merde. Ah 8 mm. 8 mm c'est pas fou ouais. Arrête, 8 mm ouais, t'es un peu dans le dur quoi. Oh là là. On va se concentrer un peu parce que là il y a un vrai niveau quand même. Reviens. Ah là, c'est maintenant que j'aurais dû reprendre l'échange à mon compte. Putain. Ah putain. Ouais, bah c'est bien, mais... Ah, j'ai eu peur. Je viens de te lire, putain, mais t'es con. Putain, mais... Et il est con, si c'est croc, il m'a fait rire, putain. Voilà. 7-6, en vrai, c'est serré. Hein. Quand t'es au milieu, l'avantage, c'est que l'IA est un peu en mode... Mais putain, mais la fin, tu es là, le... T'as appuyé trop tôt, le joueur ne peut pas bouger. Voilà, un petit lift comme ça, là. Voilà, un petit lift dans le public. Fais chier! Oh, c'est dur. T'es en mode expert? Ouais. Là, non. Là, je suis en très difficile. En mode expert, on a battu Alcaraz en 2-7. On n'a pas encore passé le mode carrière en expert. Mais ça ne serait tardé. Putain! Oh, j'ai de la chatte. 8-8! Allez, il faut le prendre celui-là. Putain, enculé, va salopard! T'es en train de briser mon rêve! Tout le monde veut une baraka à le. Personne veut ça. Bien vu.
Bon, l'erreur. Ah, j'ai voulu. Qu'est-ce qui m'a pris de varier comme ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Putain, ça s'envoie des parpaings de 14, mon gars. Y'a pas une la balle est martyrisée, quoi. En gros, là c'est le mode domicile, là. En gros, tu mets ta baraque en jeu, là. C'est Fast and Furious, quoi. Putain, c'est de la merde. Elle me met des chichounes. Mais moi aussi, je lui mets des chichounes. Ma bouche, hein, c'est instantané. Hein. Putain, mais y a pas de respect. Nouvel essai. Nouvelle tentative. Ah putain, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Bonjour, je suis... La balle, pouvez-vous me taper moins fort? Actuel 15 en deux scènes, mais avec Sharapova, il a oublié de dire. Oui, bah c'est pas comme si c'était... Alors, quand je gagnais, on disait oui, parce que tu joues pas contre quelqu'un de fort. Ensuite, je mets Alcaraz, qui est l'un des meilleurs joueurs du jeu. Oui, mais c'était avec Sharapova. Et en fait, après, je vais regagner avec un autre personnage. Vous allez dire quoi après? Vous allez dire quoi à part pleurer, Teddy? À part comparer vos énormes baloches? J'ai gagné ou j'ai pas gagné? On a débloqué le mode légendaire, on a pas débloqué le mode légendaire. Point barre. Eltwerk, bienvenue. Il a clé Cédro, merci, bonjour à tous, je passe vite fait. Faire un petit coucou pendant ma pause repas, bon appétit. On va vite pour claquer mon Prime. Dans la gueule. Dans la gueule, le Prime. Un Prime donné, c'est un streamer sauvé, merci pour le 26ème. Ah. J'en ai marre des rabat-joie là. Je vais me faire croire que les Anglais mesurent la tonte de leur gazon en millimètres et pas en inch ou en truc à la con dans ce genre. Cours. Voilà. Merde, hein. Mais le chat, on a le droit de se plaindre. C'est vrai, mais plaignez-vous à Jean-Mich, putain. Jean-Mich, il est là pour ça. Hein. Faudrait que je crée un Gmail, genre. Jean-Mich plainte. Je crée un Gmail, genre, pour toutes les plaintes. Jean-Mich Poney. SAV Poney. Gmail.com. Salut Bibi. Oh merde. Allez, faut pas que je lui laisse des points faciles là. Voilà. On peut se plaindre auprès de lui concernant l'inflation que subit le pays. Bien évidemment, plaignez-vous de l'intégralité des choses qui vous dérangent. Ça peut aller aussi dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, le loyer, tout. Hein. Il a des solutions. Est-ce que Tospin te donne de l'espoir pour Rugby 24? Ça n'a absolument rien à voir, mon ami. C'est pas la même boîte, c'est rien. Idos. C'est la même boîte que Tiebreak. C'est la même association que Tiebreak. T'as dû confondre. Je pense que t'as confondu. Ou alors c'est une vanne, et je l'ai pas eu du premier coup parce que ça ressemblait à une vraie question quand même. Je comprends Teddy. Se plaindre pour rien, un gars qui fait rien, ça s'annule non? Ouais mais il vous comprend.
Un vrai dire la raquette avec les ballons ovales, ça se ressemble un peu, c'est vrai. Déjà, on aimerait avoir de l'espoir pour que Rugby 24 sorte avant la retraite. Après, ils ont... Oh merde! Comme ils ont poussé la retraite, du coup, c'est bon, quoi. Eh, mon merde! Putain, elle m'emmerde un peu là quand même. En vrai, c'est serré, je m'attendais pas à ça. Putain, elle me l'a remise dans les pieds, c'est bien joué. J'ai pas su me dégager de la balle, j'ai fait une erreur. Oh là là là, ça frappe. Moi aussi, je frappe. Hein. Allez. Oh là là là, je fais ce que je peux. Allez, putain! Le parfait, là, qui aurait dû rentrer, putain! Hop, hop! D'accord que si tu veux créer ton jeu dans le 2024, c'est vrai, exactement. Ah, putain! Là, j'aurais dû revenir. Allez, s'il te plaît. Désolé si je me répète, la carrière sur le tie-break, elle est bien. Il n'y a pas de carrière sur le tie-break, Jack Bauer, pour le moment. Ah, merde! Ah, mais je mérite pas de gagner celui-là. C'est pour ça que je vais le faire! Allez. Toi aussi, tu mérites pas. Allez, là! Allez! Voilà! Allez, c'est pas fini! Il est en early access. Alors attends, on est d'accord que ce sera exactement le même gabarit que ce Francisco qui joue au tennis. Bien évidemment. Bien évidemment. Allez, on est... Oh, fais gaffe. C'est nul. Elle m'avait tout fait pour que je revienne là. Elle avait tout fait pour que... On a un dernier essai ou pas? Dernier essai, dernière tentative, c'est maintenant. Pardon, j'envoie une photo. C'est juste que. Faut me comprendre, hein. Je suis pas du tout emmerdé par un lapin, quoi. Mon lapin, il s'est posé vraiment mais juste derrière la chaise avec sa grosse balle de tennis. Il adore le tennis. Il adore le tennis, putain, vous le verriez avec une balle de... Vous le verriez avec une balle, putain. Il est tellement fort. Tellement fort, il adore le tennis. Alors après, des fois, la balle, bon, il lui met ce qu'elle mérite, hein, mais... Ah, j'ai un lapin, ouais. Je vis avec un lapin de compagnie, ça peut surprendre. Bon, on galère, là, hein. Ton lapin avec une balle de tennis, c'est un film porno. Il adore le tennis. Moi, pour moi, c'est juste quelqu'un qui aime le tennis, quoi. Mais merde! Faute de quoi? Ton cul, la mayonnaise! Putain, je commence par une faute, là, c'est terrible. C'est terrible. Oh là 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 là, ça sert. Allez, faut que j'y arrive, là, putain. Come on! Je récupère, voilà, voilà. J'ai fait une faute, elle fait une faute. Ok, on est reparti. Oh là là, c'est dur. Je lui offre tellement. Il bosse jamais, le streamer ne lit pas le chat. Allez, c'est parti. Ah, c'est très simple, les gars. Je vous ai dit, si je lis à un moment donné dans le chat quelqu'un qui dit il lit pas son chat, ça prend... Ça file dans sa chambre. Voilà, donc c'est pas compliqué. Allez, ça file dans sa chambre! Ça fait le mariole devant ses petits camarades!
ça fait le guignol, hein, j'ai bien fait rire les gens, je suis au fond de la classe, et gnagnagna, près du radiateur, et ben ça dégage. Tu files dans ta chambre. Tu reviendras quand tu seras calmé, quand t'auras un peu de respect. Non mais oh, on est où? Tu regardes le mur. Tu réfléchis à ce que tu viens de dire. Teddy, sa force. Teddy, sa force. Teddy, il force. Bon, comme Teddy, il force. Et que j'ai beaucoup d'humour. Bonne journée, Teddy. Ah, fallait pas me casser les couilles, Teddy. Tu fais le mariole. Tu fais le mariole, Teddy. Il fait le mariole. Il a pris un peu plus cher que les autres. Ah, alors ça fait le mariole. Eh ben, ça fait quoi, là, maintenant? 20 minutes. Allez, ça dégage. Il lit son chat, bien sûr. Et s'il y a une récidive, on envoie une photo nue de Jean-Mich. Oh. Ah, Teddy, il a fait le mariole. Non, mais oh, on est où, là? On est qui? Avant, on prenait rien, il a changé. Ouais, mais depuis que j'ai découvert les times, ça me fait marrer, quand même. Bon, Teddy de retour. Ça va une bonne Teddy ou pas, hein? Merde, ça va une bonne Teddy ou pas? Comment on fait pour une bonne Teddy? Il a une banne ou pas, Teddy? Ah oui, c'est bon. Voilà, bon, il est de retour. Bon, Teddy est de retour. C'est bon. Voilà. Merde, hein. Moi, je veux les nudes de Jean-Mich. Oh non, tu veux pas. J'en ai vu des choses horribles dans ma vie. Jamais des comme ça. Est-ce qu'on a vraiment le droit à une photo nude, Jean-Mich? Mec, je fais n'importe quoi. C'est bon. Putain. Merci, poney. Va y partir sur le stream de Rivenzy. Il enlève le copain? Ah, il a le droit de live de temps en temps quand même. Et est-ce qu'il est en live? Il est en live, le beau gosse. Question. Office de touriste de Halle. Oh merde! Force de visiter le cours. Prenez-vous le temps de visiter la ville. Ah, fuck it. Fuck it. Allez. Oh là, bien joué. Putain, c'est dur. Ah ouais, mais j'ai plus un service. À quoi sert le chat s'il ne le lit pas? Oh, mais là, par contre... Bon, voilà, on est deux au mur. Là, par contre, les gars, vous forcez. Ça m'amuse pas. Allez, on te l'amène, nous aussi. Ah, putain! Toms. Non, mais Van Dijk, là, c'est trop, les gens, ils forcent et tout. Mais j'ai apprécié, ça m'a fait rire. Mieux de pas lire le chat pour réussir à gagner enfin. C'est vrai que là on est. On a quand même pas mal de points de retard. Je vais pas vous mentir que si on le perd celui-là, on est pas bien. Ah, pourquoi je joue là? Merci. Bon bah d'accord. Ah, il était bien masqué celui-là. Hein. Belle amortie, hein. Fous de ma gueule. Ouf, c'était très limite. Mais vas-y là. Oh, je pense qu'elle a... Elle a quelques griefs contre le ramasseur ou la ramasseuse de balles. Ah putain, ça manque de parfait. En fait, je mets plus de parfait là, je suis... Allez, reste là-bas.
Ah oh, putain, c'est de la pisse que je fais. Allez, celui-là est bien. Concentration. Oh putain, s'il est bon, c'est pareil. Yob, pour moi, t'as perdu car niveau vestimentaire, t'as clôt à Roland Garros, c'est que t'as Wimbledon et que l'IA ne pénalise pour ça. J'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que normalement, t'as pas le droit de jouer en blanc. Ah, je suis à l'E, hein, donc pour le coup, mais. Mais c'est pareil, quoi. Le gazon, c'est en blanc, quoi. J'y suis. J'y suis. Et alors, on ramène tout. Raphaël Nadal, tu connais. Et alors. Et alors. Encore ton mot. Le staff de Twitch. Ah, Yop, c'est staff de Twitch. Ah, mais je connais pas tout le monde, moi. C'est vrai que Yop, ça me disait quelque chose. Ah, c'est le petit... Le petit truc équipe. Waouh. Waouh, t'as la clamolette. T'as la clamolette. Waouh. C'est grâce à toi que je suis mis en avant. C'est très gentil, hein. Très gentil. C'est lui qui choisit le carrosse. Ah ouais. Ah bah écoute, Yob, cœur sur toi. Hein. C'est ça. Bah merci infiniment, franchement c'est très très cool. Tu vois que dès qu'on t'énerve... Et Yob, c'est aussi parce que je lis mon chat. Je pense que c'est pour ça, ça a joué vachement. Bon, tu vois que dès qu'on t'énerve, tu es plus motivé et plus performant. Écoutez, c'était le dernier moment. On n'était pas bien parti. Hein. On n'était pas bien parti. Hein. C'est fort. Une belle victoire. Merci les copains. Et voilà, Joker qui envoie le sub. Merci infiniment. Ouvrez les merci yeux. Merci mon Joker. Ouvrez les oreilles. Attention. C'est juste beau. Attention. C'est juste votre vie. Bon, c'était compliqué là. On était dans le dur. On s'en est sorti. On met à 5 jolis points. Putain, il me faut un match qualité 70 là. Fait plaisir. Merci pour l'abo. Merci pour lui. Merci pour moi. C'est fort. Frérot, tais-toi, laisse nous écouter la musique. Ok. Francisco Panas, ten mis manos ansios. Petit me costo sur le corps et dans son. Clamolette banane. J'avoue, stylé. Le public se levait dans ses yeux dilatés, des secrets dévoilés. Indian Wells, les gars. Sur la terre battue. Oh, Miami. Il glisse avec agilité. On peut être à la Doha, on va à Doha. Il défie la on va gravité, c'est confus. Une véritable féerie. Mais derrière son sourire des ombres. Voilà, tu l'as entendu un petit peu mon ami Sirazos. Tu l'as entendu un petit peu. Maintenant on a quand même quelque chose d'important à faire. C'est un TS500. Quart de finale. On joue contre le chinois Aizen Guo. Je peux te dire. Apparemment il joue au Stone Rocket l'ami. Est-ce qu'on peut suggérer de ne jamais mettre en avant la chaîne d'un certain... Arthur Rey. Ah, c'est moche. C'est moche de faire ça, c'est un ami. C'est un ami. Est-ce qu'on peut juste... on est tête de série numéro 1. Hein. Attention, il y a Vezeli quand même. Très bon joueur. Il y a Baouche quand même, l'Irlandais. Ah, mais Baouche, c'est pas l'Irlandais qui s'habille n'importe comment. On peut pas aller dessus. Est-ce qu'on peut changer 2-3 trucs vestimentaires? On a peut-être 2-3 trucs vestimentaires. Ah, on a un nouveau short. Qu'est-ce que c'est que ça? On cache nos cuisses? Oh, on est où, là? Attends. Ah, mais c'est notre nouveau style, ça? Bim! Ouais, style assez classique. Style des deux. Ça, c'est pas mal. Là, le pied en avant, on n'aime pas trop. Ouais, ça, c'est pas mal. Là, on n'avait pas un autre truc? Ouais, non, ça, c'est non, on sait jamais. Y'a pas un... C'est là qu'on... Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on a débloqué? Retour inactif, genou... C'est ça qu'on a débloqué? Animation d'avant-match. Ah! Ah, c'est celle-là, je crois. Celle-là, non? Plus sérieusement, ça marche plus
pour le streamer, plus pour le streamer si tu es mis en avant par Twitch. Je regarde jamais cela. Bah, disons que t'es plus facilement découvert par beaucoup, par plus de gens, quoi. Et ça améliore tes stats parce que forcément, les gens qui arrivent sur Twitch, même s'ils te regardent pas vraiment forcément qu'ils ont cliqué sur toi, s'ils font défiler le carrousel et que tu passes devant, bah ça compte comme une vue, tu vois. Donc techniquement, tu vois, là, moi je vois de mon point de vue, il y a 800 spectateurs, mais en réalité, je pense qu'on est, allez, sans doute une centaine, 200 de moins, peut-être 100, 150 de moins, je pense, peut-être. Je sais pas, en fait. Êtes-vous des bots? Voilà, c'est la question que je vous pose. Donc en gros, oui, ça te booste. Et quoi qu'il, en fait, t'es découvert par plein de gens. Et ça, c'est très très cool. Donc genre, la mise en avant, c'est un vrai coup de pouce, tu vois. Et je sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi, mais merci en tout cas. Juste merci, quoi. Je suis un bot. On doit être 20 à tout casser. Après, en vrai, vous êtes nombreux à parler dans le chat, donc je suis pas sûr que vous savez que 20. Mais ouais, 20, 22, peut-être 22. C'est juste beau. C'est la petite chaîne qui monte, quoi. La petite chaîne qui monte et qui est soutenue par Twitch, donc c'est vraiment cool. Parce que t'es le pote de Zera. Ah, disons que je suis le pote de Domi. Ça, c'est depuis que je suis pote avec Domingo, quoi. Ça, il y a un avant et un après, quoi. Non, on rigole, mais c'est très, très cool, quoi. Tu vois, moi, pour moi, ben là, je vois des chiffres. Tu vois, en vrai, on fait des 800, des 500, des 600 viewers. C'est énorme, quoi, tu vois. C'est énorme. On atteignait, tu vois, les 350, 400, là, de base. On y arrivait. Et c'est vrai qu'on essayait de passer les 500, et là je pense que la mise en avant nous permet de passer les 500, d'être... Voilà, il y a plein de gens qu'on follow, tu vois, Baptiste, Kenjin, Tata, Nordin Sapik, voilà, ça fait grave plaisir. C'est la petite chaîne qui monte, bien sûr. Bon, attention. T'as vu la diff avec, entre Connaître Yves et Domingo? Mon père ou ma mère, vous me demandez de choisir, c'est terrible. Peut-être qu'on va faire un truc tous les trois à un moment donné. On sait pas ce que la vie nous réserve, les copains. Mais en tout cas, c'est cool, tu vois. On continue notre croissance, quoi. On continue notre croissance. Tapez 1 dans le chat si vous êtes des bots. Il y a que des 1 qui vont arriver. Putain, là, je lis beaucoup trop le chat. Je vous offre beaucoup trop d'attention, les copains. Allez. Waouh, il y a vraiment que des bots, putain de merde, il y a que des bots. Ouais. Et couloir, c'est pour les bus. Oh là là. Et Ray Fox, premier message, il met un 1, je suis abattu. Bientôt le live cuisine chez Domi. Je pense qu'il faut qu'il invite quand même des gens connus. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Bon, on fait de la merde. Bon, on fait de la merde, là. En quart de finale, TS500, là. Ouh là là, doucement. Cet après-midi, on s'entraîne sur l'Asie 1, en fait, pour ceux qui arrivent. Et ceux qui veulent du tennis, vous avez la chaîne YouTube Replay. Donc, il y a mes replays Twitch. Même si mes replays Twitch sont disponibles, n'hésitez pas. Ils sont... Voilà. Mais si vous êtes en capacité d'attendre 24 heures, vous les avez le lendemain sur la chaîne Replay. Et sur cette chaîne Replay, c'est un peu tout la partie gaming. Il y a une game... exclusive à YouTube sur le jeu Topspin où on a créé un autre morphotype de personnage. Sports Plasma, merci pour l'abonnement, merci pour les 6 mois avec le Prime, merci beaucoup. Oh la gueule. Ceux qui veulent du tennis, quittez ce stream. Wow. Ah, c'est important d'être soutenu bien sûr par le chat. Ah, on se régale. Et on perd le premier jeu. Putain, merde! On a le chat qu'on mérite. Ah ouais, bon, exactement, on a le chat qu'on mérite. On m'avait promis du Céleste sur la chaîne Replay. Ouais, c'est vrai, bah y'en aura pas. Y'en aura pas. En fait, j'ai pas rec ce qu'on a fait avec Charpeau. Phrase bizarre. J'ai pas enregistré, voilà, ce qu'on a fait avec Charpeau. C'est vrai que c'était bien, mais. Comme ça, je vous laisse la surprise le jour de la Zilan. C'est bien qu'il est pas fiable. En vrai, j'essaye de faire un maximum de choses quand même. Ça va là? Putain, mais il me pousse vraiment tellement loin du cours. Ah ouais, mais vas-y. Je me mets dans des conditions, je suis obligé de me faire des parfaits là, je suis pas bien là.
Il faut que je me concentre sur le jeu là. Voilà. Et là on peut s'appuyer. Et là ça dégage. Oh c'est nul ce que je propose. Ouais je l'ai vu. On a bien compris que l'esprit de cette chaîne était, était autour de l'entraînement et pas du niveau. De l'entertainment et pas du niveau. Oui, oui, bah. Un peu quand même, non? Bah. Même pas un petit peu, genre. Non? Ah, viens sur le Dakar, Yop. Viens sur le Dakar, on verra. On verra. Non? Un peu, non, le niveau quand même. Viens sur le Dakar, Yob, on verra. Le jeu du Dakar qui reviendra à un de ces quatre. Oh mais mec, attends, je me fais bousiller. Vas-y, il faut que je me concentre là. À part sur PUBG. Non mais vous inquiétez pas, genre je... Je pense que la Zilane, j'ai... En tout cas sur Kallax hier, les gars. Sur Kallax hier, y'a rien à dire. Il me fait visiter le cours, j'en peux plus. Attends, on était grave bien. On va revenir, vous inquiétez pas. J'ai été greedy. Il est bon sur... Non mais attendez, on enchaîne les masterclass ici, vous êtes fous. J'ai vu du Dakar déjà, très cool les sessions rocher entre deux dunes. Cuvette. Ah, le Dakar, c'est incroyable. C'est un vrai bon jeu. Hein. Allez. Non, mais là. Oh, 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 oh. Il faut que je rentre sur le terrain. Hey, je suis top 9 mondial là. Là, on pourrait se dire. Je suis dans la sauce. Et pourtant. On a quand même démarré le stream en mode ouais bon on a testé le mode expert. Est-ce qu'on doit pas passer en mode expert ou en mode légendaire sur la carrière? Et là on prend trop. On prend une branlée putain. Oh mais aussi on me donne rien. On me donne rien. Caillou. Maintenant. Bon allez là concentré, de toute façon. Voilà. Voilà. Et merde! Oh, c'est... Ouais, mais... C'est dommage qu'il nous arrive. C'est pas fini! C'est fini! Ah, j'ai eu... Ouais, je pense que j'ai eu un saut de concentration. J'ai eu un saut de concentration... Après, il est hyper fort, le chinois. Hein. Monsieur Guo, on passe 10. Monsieur Guo, il a gagné ou pas? On sait qui a gagné? On était quoi, à Doha? On sait pas qui a gagné. Bon, on sait pas qui a gagné, mais Monsieur Guo, c'est pas le dernier sur le niveau, quand même. Après, ça nous a permis de nous reposer. Bon, décalage horaire sûrement. Non, mais bien sûr, puis les voyages. Au bout d'un moment, à force de voyager et tout, c'est trop complexe, quoi, tu vois. Non, c'était dur. C'était dur. Disputer deux tournois. Mais attends, pourquoi il m'a pas validé ça? On me dit pas qu'on a fait un tournoi... C'est un 500? Attendez, pardon, mais... Il y a écrit disputer deux tournois TS500. On vient de disputer un tournoi. Alors certes, on a pris une branlée. Mais c'est faux. Attends, on s'est fait avoir, non? Disons que vu les stats de ton personnage en expert... Tu vas pas en gagner beaucoup des matchs. Eh, j'ai expert et légendaire si je veux, ok? Moi j'ai tout débloqué, ok? Moi j'ai tout débloqué. Regardez les streamers, demandez-leur s'ils ont débloqué le mode expert et légende. Et à partir de là, vous les jugez. Voilà. Nous on a fait ça ce matin. Bon les copains, je vais m'arrêter là parce qu'on reprend cet après-midi. Voilà, c'est une folle journée. Bon, j'espère que vous êtes bien marrés, hein, c'est plus important. Même si vous avez vu énormément de performances, quoi qu'en dise le chat. Au vu de la prestation, ils ont dû considérer qu'il n'y avait pas vraiment eu participation.